Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester Escape First Alchemist. Alors, en gros, c'est un escape game comme son nom l'indique. Et si vous voyez la vidéo, c'est que le jeu est bien. Tout simplement parce que j'ai pris pour habitude sur la chaîne de ne pas faire les escape games à l'avance. Parce que je trouve ça plus sympa d'avoir les vraies réactions en direct. Et quand je galère aussi, quoi. Bon, alors du coup, depuis tout à l'heure, j'ai relancé pour refaire l'intro deux fois. Et il y a quelqu'un qui nous appelle là. Et apparemment, c'est un livre, tout simplement parce qu'il l'a dit. Il a dit « I think this book is calling you ». Je crois. Ouais, je m'y fais, ça va. Dans un monde d'alchimie, ça va. Alors apparemment, on est bloqué ici pour des raisons qui nous dépassent. Et il trouve qu'il fait trop sombre et qu'on peut pas voir le bout de son nez. Alors derrière ce comptoir, est-ce que tu vois ce banc de travail en gros? Il faut qu'on fasse une potion, enfin une potion de lumière apparemment. Ok. On peut sauter? Non. D'accord. Ok. Fallait l'ouvrir. Ah, et alors ça j'avais vu des captures d'écran sur Steam. Alors attendez, on va lire pour une... Non, 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 on va lire. Ah, on peut zoomer. Alors, le guide pour l'alchimie. Donc on doit choisir la recette, donc ok, en haut à droite. On doit ajouter un cristal magique pour changer la couleur du feu. On doit utiliser le latch. C'est un thé. Bon, je sais pas si c'est un thé, mais en tout cas, voilà, on va dire latch. Pour changer l'intensité du feu, d'accord. Ok, pour pas tout cramer, j'imagine. On doit choisir les bons ingrédients. Oui, ok. Et derrière, on doit utiliser Q et E pour ralentir le... C'est diamond? C'est des dés? Ok. Ah oui, ça, oui, d'accord, le diamant, ok. Et on doit cliquer left, on doit faire le clic gauche, pardon, pour quand il est dans le vert. Ok. Et ben, dans ce cas-là, on va sélectionner la petite... non. Voilà. Et l'autre, c'est quoi? Lift. Donc c'est plume, ok. Alors, il nous faut du soufre, des champignons... Du chalk, ça doit être de la craie ou du talc, je sais pas exactement. Il nous faut une intensité de 2 avec une flamme rouge. Alors, les champignons, ils sont là. Le chalk, c'est là. Ah, le soufre, il est là où ça se voit. Donc, il nous faut une flamme rouge. Et ça, je peux le toucher ou pas? Ouais, je peux le toucher. Tac, nickel. Donc là, je peux normalement... Ah, oui. Faut que je spamme comme un... Port. Voilà. Oh, c'est GG. Hey, c'est une ampoule. Bah oui, déjà je la prends. Presse F to inspect. Ah non, mais ça c'est pour avoir les astuces. Ah, j'ai l'impression qu'elle y est là, l'astuce. Là, il y a un truc qui s'éclaire. Ouais. Bon, j'ai pas pressé F, hein, si vous vous posez la question. Mais je suis sûr que c'est ça. Ah, voilà. C'est bon, on a l'électricité. Oh, c'est chez nous, ça? Franchement, c'est classe. Ah oui, non, on est enfermé. Ne casse rien. Alors, attendez, il y a une porte ici. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire quelque chose. Disgusting, hideous, slippery vines. Ok, il aime pas les... C'est marrant, j'ai pas le nom en français des vines. Des branches. est-ce qu'il a dit de rien casser? Mais je suis sûr qu'il faut casser. Utiliser une potion. Ouais. Oh, a locked box. Think you can manage to open it? Je suis pas sûr que je vais réussir à l'ouvrir, Johnny, là. Donc si je comprends bien, il nous faut des clés. Ça, c'est ça qui me fait peur, là, cette partie-là, là, alignée avec les horloges. Ça va être horrible. Je suis sûr qu'il faudra pas juste mettre 3 clés. Petit instinct, quand même, là. Là, il y a rien, là, il y a rien. Ah, open cabinet. Prendre le vase. Tout drop. En bas à droite, ok, bah... Et une clé. D'accord. Donc il nous faut une troisième clé. Est-ce qu'on peut te refermer peut-être? Deuxième base. Le truc trop facile. Ah, là-haut peut-être. Non, ça a pas l'air d'être voulu.
Est-ce qu'on peut crouch? Non, on peut pas. Si, on peut, mais ouais, on passera pas, quoi. Bon. Le seul truc qu'on a vu, c'est les espèces de lierre là-bas, enfin de truc, et ça où il y a marqué use potion. Bon, on a une autre potion à faire éventuellement. Mais là-dessus, je vois pas ce qu'on pourrait faire avec la potion. C'était quoi la potion de poids? Ah, est-ce que... Regardez, il y a une licorne, et on va dire, il y a une icône qui vole. Et on a une potion de plume, enfin de légèreté, on va dire. Est-ce que ça serait pas ça? Alors, il nous faut quoi? Une plume, des badger tooth, ok, des dents de badger, et des œufs. Alors, les œufs, c'est bon. La plume, je l'ai là. Et c'était quoi les badger? Elles sont où? Voilà. Et là, il nous faut un feu de 1 bleu. Pratique, ce petit truc-là. Et ben, rebelote. Oula, 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 oula. Je déteste les QTE pour rien. Hop là. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à essayer. Elle va voler, ça lui fait des... Ah cool, il y a la clé en dessous. Oh, brilliant. Tu voles un des... Finiment, non. Salut le bouquin. Alors... Bon, on a la troisième clé. Oh non, il y a des cadrans en plus. Je dois faire quoi là? Est-ce que c'est simplement aligner ça avec celle d'à côté? Dans ce cas-là, celle-là, ça serait bon. Et toi? Je vais pas bouger l'autre, on est d'accord. Ah, par contre, là, il y a que les... La petite aiguille ne bouge pas. Ah, ça va être horrible. Ah non, c'est bon. Regardez, elle s'est remise au bon endroit. Ça, c'est horrible. Nick. Oh non. Je dois faire quoi avec ça, moi? Alors, celui-là, je peux pas le bouger. Je peux bouger que les trois du milieu. Non, les quatre, là. Ouais, ça, ça. Une sorte de domino. Genre un qui donne sur un, qui donne sur un autre. Alors là, par contre, j'ai pas vraiment d'idée. Ah, regardez, si, c'est aligné. Là, ça fait 2, 2, 1, 1, 3, 3, et j'ai l'impression que c'est bon. Ok, donc là, ça, c'est pas bon. Il nous faut un 3, voilà, qui est aligné avec le 1. Nickel. Du coup, on a 10. Ça, c'est bon ou pas? Oui, ça a l'air bon, et lui... ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et ça commence à puer. Ah si, c'est bon. Je croyais que j'avais fait le tour. Qu'est-ce que c'est ça? Du miel. Ah bah dis donc, c'est dans la mode en ce moment, quoi. Je récolte du miel dans tous les jeux vidéo, quoi. Ah bah d'accord, mais si tu me donnes pas les potions dès le début aussi, faut que je trouve les ingrédients pour que tu me les donnes. Alors, ah, du coup, on a du miel illimité. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, il nous dit... C'est quoi la troisième potion? Shrink. Donc, ça nous permet... Mince, mince. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Smallest. Bon, on va la faire. On va bien voir. Onécombe. Mandrake, j'ai vraiment du mal avec le D et Rat Tail. Alors. Pardon. Si je suis pas dessus. Rat Tail.
Onécombe, il est ici. Et le dernier, c'est quoi? La mandragore, là, ou je sais plus quoi. Il nous faut du bleu et un. Ah bah c'est bon, ça on l'a mis. Alors, on ralentit. Et on ralentit. Si on foire, qu'est-ce qui se passe du coup? Ça rate juste la potion? Shrink potion. Pas que ça là-haut là. Mince, ça fait pas ça. Ah non, all to consume. Ok. Ah d'accord, c'est ouais, c'est vraiment temporaire quoi. Alors, la licorne de tout à l'heure, est-ce qu'il y a un rapport? Ah, il y a un truc là-dedans. The smell of rot, in spite of how it looks. A rather useful alchemical component. I'll add the recipe. Ok, on a une nouvelle recette apparemment. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Là, il y a un carré. Ah, mais si, ça doit être le truc qu'on a derrière là-bas. Ouais, donc ça va, c'est super logique en fait. On va faire une potion, ça va enlever les machins là, les racines. Racines! Voilà! Mince, si je regarde pas la truc. Ah oui, quick brew. Ok, donc on peut les récupérer. Et ça donc. Alors, elle est là. Du coup, on l'a trouvé. Chicken legs. Ok. Et bat wings. Ils ont changé les ingrédients, j'ai pas vu. Donc il nous faut un cristal vert cette fois-ci. Ok. Avec 2 en intensité. Nickel. Et ben allez. Oh bah voilà. On sait ce que ça fait. Attendez, on va pas le faire à l'arrache. Ça a pas marché? Ah mais je dois plus avoir les ingrédients, faut que je recommence du début. Donc ça, ça, et ça. Ah, j'aurais pu cliquer quand même. Je voulais pas prendre de risque. Maybe this one could disentangle some problems. Ouais, bah, de toute façon, il nous reste plus que ça, alors je vois pas ce que ça pourrait faire. D'autres, des racines pourries avec des racines. So long, vines, I fought in your general direction. Je pète dans votre direction générale, c'est ce que le bouquin vient de dire. Ok, pourquoi pas. Pas un problème, mec. Ah, the cube. Oh, bah, le cube, on l'a vu tout à l'heure, on était face à lui. Eh ben, pas mal, on avance bien. J'avais plus galéré sur le dernier. Pratique. Ah, c'est la démo version. Ok, on est complètement... On a pété le... qu'est-ce qui nous attend là-dedans? Une grotte. Bon, ça va. Ah non, mais c'est un labyrinthe. Ah bah non. C'est la fin de la démo. Ah, je peux plus bouger. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. C'était sympa, franchement. Alors, un peu court pour une démo, j'aurais bien voulu en voir un peu plus, quoi. Ok. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Il y a pas de scène post-crédit. Ça fait un peu penser au Marvel quoi. Allez, je vous dis à bientôt.